Salut les filles, c'est Fiona. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors si je suis pas vraiment en forme, c'est parce que j'ai une rhinopharyngite et que je suis censée être dans mon lit alors qu'il est. Mais en fait j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo, donc je me suis maquillée, j'ai fait le plus que je pouvais pour être présentable. Donc je tousse beaucoup et j'ai du mal à parler, donc j'essaie de contrôler ma toux, mais c'est un peu compliqué. Donc je m'excuse d'avance si pendant la vidéo il y a des moments où je tousse un peu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo. Donc c'est un swap que j'ai organisé avec une amie qui s'appelle Laura, que j'ai rencontrée sur Instagram. Elle a un compte Instagram un peu mode beauté, etc. Je trouve ça, son Insta est vraiment très très bien. Donc je vais vous mettre ici, comme ça vous pourrez aller voir. Vous pourrez aller checker, c'est vraiment, vraiment sympa. Elle met des petits conseils beauté, etc. Enfin, des conseils mode aussi beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc Laura, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Je te remercie beaucoup pour avoir organisé ce swap avec moi. Et donc voilà, donc c'est un swap qu'on a organisé, enfin qu'on a mis en place depuis à peu près août. Ouais, à peu près août. Bon, avec les vacances et tout ça, donc ça n'a pas été évident. Et on a enfin pu se l'envoyer la semaine dernière, donc je l'ai reçu aujourd'hui même. Et donc je vais vous montrer tous les petits paquets. J'ai trop hâte, je suis trop trop contente de le faire. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais en étant malade, parce que je pouvais pas laisser le colis devant moi comme ça et pas pouvoir ouvrir les cadeaux. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Donc le carton est là, hein. Elle m'a mis des petites pochettes comme ça. Elle m'a indiqué que les premiers cadeaux étaient dans la pochette rose et qu'ensuite c'était dans la pochette grise. Donc on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, j'ai ouvert la pochette pour que ça fasse un peu moins de bruit. Alors on va commencer avec le premier cadeau. Donc je fais dans ma petite pochette le premier cadeau. Donc ça c'est le numéro 7. Désolée. Ça c'est le numéro 1. Donc voilà comment elle est. Il est tout mignon mignon. Pour accessoiriser une tenue. Ah, super belle la boîte, j'adore. J'aime trop. Ah, c'est trop bio, c'est trop bio. C'est trop bio. C'est trop trop beau. En fait, c'est un collier qui est comme ça. Je le trouve vraiment trop trop beau, c'est un sautoir en fait. Voilà, franchement il est super super beau. Merci beaucoup Laura, parce qu'il est vraiment trop trop beau quoi. J'adore vraiment, il est hyper beau. Enfin, il est simple mais en même temps assez sophistiqué, donc j'aime beaucoup. Merci beaucoup, et la boîte elle est super belle, merci beaucoup, franchement c'est trop top. Donc on continue avec le deuxième cadeau. Le deuxième cadeau, comme vous avez pu voir, j'ai enlevé mon pull, j'avais trop trop chaud. Donc c'est celui-ci, il est trop mignon, j'adore le petit, excusez-moi je perds ma voix, le petit emballage, je trouve ça, il est trop trop beau le petit emballage. Donc elle m'a mis... Donc le produit phare du swap, alors attention. Attention, attention. Donc j'ai pris une petite paire de ciseaux, comme ça c'est plus simple. Coupé. Voilà. Ah oui. Petite parenthèse. Alors, on s'est donné un budget d'environ 70 euros. Bien évidemment, on l'a toutes les deux complètement dépassé. Et on s'était dit, dans les dans ces 70 euros, on se mettrait un produit phare. Donc, on s'est donné mutuellement trois idées de produits à maximum 30 euros. Voilà. Enfin. Et donc, on s'est donné trois produits à peu près qu'on aimerait bien avoir. Et je m'aperçois qu'elle m'a acheté un des trois que je voulais.
Donc je suis trop trop contente. Et donc en fait elle m'a acheté la Naked. La Naked basique. Celle que je voulais depuis longtemps parce que quand je pars en voyage, etc. C'est un peu compliqué pour moi d'emmener des grosses palettes Naked, etc. Et je trouve que c'est vraiment une marque qui font des palettes qui sont vraiment bien. Et donc là, de l'avoir, je suis trop trop contente quoi. C'est vraiment le cadeau que je voulais le plus en plus. Donc je suis super heureuse. Elle est juste trop trop belle cette palette. J'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc voilà comment elle est. C'est vraiment les basiques. Je la trouve vraiment très très jolie. On peut l'emmener partout parce qu'elle est petite. Et donc ouais, je suis trop trop contente. Merci, merci, merci Laura. Elle est trop belle. J'adore. Voilà, ça va être, je pense, une de mes palettes préférées parce qu'il y a toutes les couleurs qu'il faut. Et voilà. Merci, merci, merci. Je suis trop contente. Elle est trop bien cette palette. Donc voilà. Donc voilà le petit cadeau. À plus de 30 euros qu'on s'était donné comme idée. Donc moi j'avais celui-ci, j'avais les Melted de chez Too Faced, et j'avais aussi une autre chose, mais franchement là je me souviens plus trop. Donc ça, et je suis trop contente de l'avoir, j'adore. Donc merci, merci, merci Laura. C'est vraiment trop cool. Je suis trop trop contente de l'avoir. Même si j'ai un peu du mal à montrer ma joie, etc. Parce que bah, je suis en train de contrôler absolument ma gorge. Parce que sinon là, je partirai en quinte de tout. Donc je vais essayer de souffler et de pas trop parler vite. Mais franchement je suis trop trop contente. Elle est trop belle. C'est... voilà. Alléluia, je l'ai enfin, ma palette des basiques. Je te remercie Laura, j'adore. Franchement je suis trop trop contente. Merci beaucoup, beaucoup. On continue donc avec le troisième cadeau. Oui, on s'était donné aussi. Je donne des précisions au fil du temps parce que c'est vrai que dans l'intro, j'ai pas trop donné d'infos. On s'est donné un nombre de 15 cadeaux. En tout, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, je trouvais ça bien. Après, c'est sûr que les 70 euros, on les a largement dépassés toutes les deux. Hein. Je crois que là, on a cartonné toutes les deux. C'est trop compliqué un swap. Quand on fait un swap, de donner un budget, c'est super dur. Et donc voilà. Après, je veux pas qu'il y ait de quoi que ce soit en disant ouais, elle a eu plus que ça, voilà. Je sais pas si Laura fera une vidéo. En tout cas, si elle fait une vidéo, elle la mettra sur Facebook, je pense. Je ne sais pas du tout si elle va en faire une ou pas. Mais voilà. Donc on continue avec le troisième. Le troisième cadeau. Donc qui est celui-ci? Trop mignon, franchement les paquets sont trop adorables. Alors, elle m'a mis ton premier article de cette marque. Ouh là là. J'adore. Là j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Je me demande trop ce que c'est. Ouh là là. Mon premier article de cette marque. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. C'est une petite pochette Victoria's Secret. Mais t'es folle, t'as dû payer ça une blinde. Oh, putain, je suis trop contente. Elle est juste trop trop belle. En plus rose et blanche quoi, les couleurs trop que j'aime. Mais oh là là, je suis trop trop contente. Merci beaucoup, franchement elle est trop belle. Je l'adore, je pense que je vais l'emmener avec moi partout. En plus, la semaine prochaine je pars à Londres. Si tout va bien. Donc je pense que je vais l'emmener avec moi, cette petite pochette. Franchement, elle est trop trop belle. Merci mille fois. Oh, j'adore. Elle est vraiment trop trop belle. J'adore, 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 j'adore. Merci beaucoup. Je pense que je vais dire merci à chaque fois, mais franchement, c'est le cas parce que c'est trop bien. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Laura. Franchement, tu déchires. Je suis trop contente. Merci. Donc, on va continuer avec le quatrième cadeau. J'ai ma voix qui commence à partir, donc j'espère que ça va... pas continuer comme ça. Ah oui, le quatrième, elle m'a dit que il était hors du sac. En effet, il est juste énorme. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, elle m'a mis quoi? Toute fille en a au moins une. J'espère que sa couleur te conviendra.
sais pas ce que c'est. Là franchement je serais incapable de deviner ce que c'est. Mais on va ouvrir, au moins on saura directement. J'ouvre mon cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est une pochette. Oh là là, elle est trop belle. C'est une pochette en fait. Une grande pochette avec... là vous avez la petite... Oh mais... J'adore trop quoi. Et la couleur, ne t'inquiète pas, la couleur est super. J'adore, 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 j'adore. Oh putain. Elle est trop trop belle. Franchement. Oh, je suis trop contente quoi. Franchement, j'en avais pas du tout. Et tu vois, tu me connais vachement bien hein, mine de rien. Mais ouais. Merci beaucoup parce qu'elle est vraiment très très belle. Franchement j'adore trop, elle est vraiment superbe, mais vraiment superbe. Merci beaucoup ma Laura, franchement je suis trop contente, j'adore. Il n'y a pas d'autre mot, franchement tous les cadeaux que tu m'as fait pour l'instant c'est vraiment trop moi quoi, ça me correspond, tu m'as vraiment bien cerné, c'est un truc de fou quoi. Merci beaucoup pour celui-là, merci. Donc on va continuer donc avec le cinquième cadeau. Alors le cinquième cadeau. Ça c'était le septième. Ça c'est quoi? Voilà le cinquième. Il est comme ça. Donc on dirait une crème ou un tube. Alors qu'est-ce qui est parfait pour mettre dans le sac à main? Alors. J'arrache, hein, je suis désolée. Oh non. Je suis trop contente. C'est une crème pour les mains à l'huile d'argan de chez The Body Shop. Je l'adore cette crème. En plus, c'est ma crème préférée de chez The Body Shop. Et l'huile d'argan, je l'adore vraiment. L'huile d'argan, c'est la gamme de chez The Body Shop en produit que j'adore. Je préfère l'odeur. Je suis trop contente. Merci beaucoup, franchement. Mais tu me gâtes, c'est un truc de ouf. J'adore vraiment. Enfin, cette crème, c'est juste la crème de toute ma vie, quoi. Enfin, je l'adore vraiment beaucoup. C'est une de mes crèmes préférées de pour les mains. Donc, encore une fois, tu me connais bien. Enfin. Je suis trop contente. Merci beaucoup parce que franchement, elle va vraiment beaucoup me servir pour cet hiver. Parce que l'hiver, je mets énormément de crème pour les mains. Donc merci beaucoup parce que celle-ci, elle est juste génialissime. Merci. Donc on va continuer tant que j'ai ma gorge qui fait pas de... Hein, avec le numéro 6. Et alors le numéro 6, ça doit être celui-ci, je pense. Ouais. Donc on a celui-ci en numéro 6 et donc là elle me met un format idéal pour tester des produits. Ouh là là, on dirait qu'il y a une pochette dedans parce que je sens ça fait, vous savez ça fait écarté là, ça fait vraiment voilà, donc on va voir hein, on va voir ce que c'est. Alors ouais c'est une pochette. Non, elle est juste trop folle quoi. C'est une pochette de la marque Caudalie. Je voulais tester ces produits là et je suis trop contente. Tu sais que j'ai failli l'acheter. Il y a peut-être un mois de ça, je suis tombée dessus et j'ai voulu, comme je voulais tester les produits parce que bah, j'adore tester des nouveaux produits, j'adore tester des nouvelles marques. Et franchement, je suis vraiment trop contente. Donc là, il y a un gel douche thé des vignes. Il y a une huile divine pour le corps, le visage et les cheveux. On a une crème hydratante, peau sensible en plus. Et on a un lait démaquillant douceur. Je suis vraiment super contente. C'est juste top. Je vais vous mettre comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Normalement, oui.
Voilà. Je peux bien faire le focus sur mon petit appareil. Donc voilà comment c'est. Mais t'as dû... oui, je pense que les 70 euros, on les a toutes les deux cartonnées. Un truc de fou. Mais merci mille fois parce que franchement, ces produits-là, je voulais tester. Et en plus, je voulais vous en parler sur ma chaîne. Que je suis vraiment trop contente. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je suis trop, trop contente. Franchement, là, ça me remonte le moral de moi qui étais malade depuis 15 jours. Que tous les week-ends, je les passe dans mon lit parce que je suis pas bien. Mais je te remercie beaucoup, Laura. On continue avec le 7e cadeau. Alors, le 7e cadeau, j'ai vu que c'était celui-ci. Donc, il est comme ça. Donc, une senteur d'été et une pour toute saison. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit plastique. Je suis en train de mettre du papier de partout. Oh là 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 là. T'es juste trop folle. Ça les a bien emballés au cas où ça coulerait, etc. Franchement. Alors en fait, c'est des gels douches de chez Sephora. Donc on a un monoeil. Il est comme ça. Donc je suis trop contente, mais je vais les ouvrir quand même pour les sentir, parce que je suis comme ça moi. Je vais pas sentir les produits que je reçois. Non, c'est une crème de douche, excusez-moi. Elle sent trop bon. Ben, je te remercie beaucoup Laura pour celle-ci. Celle-ci je la connaissais déjà, j'en avais déjà acheté. Et celle-là, je l'aime beaucoup, donc ça tombe super bien. Franchement, tu lis dans mes pensées, c'est incroyable. C'est incroyable. Et fleur de coton, et ben, ça tombe bien parce que la fleur de coton, j'adore cette odeur. Et je voulais justement la tester chez Sephora, mais j'avais pas pu le faire. J'avais pas pu le tester pour l'instant, mais je suis super contente de pouvoir le faire. Pareil, hein, c'est une crème de douche à la fleur de coton, donc pareil, de la gamme Sephora. J'adore leur petit packaging, ils sont trop mignons, enfin, voilà. Voilà pour le 6ème cadeau, je suis trop contente. Merci encore énormément, c'est vraiment trop bien. Tu touches, à chaque fois, tu tombes dans le mille de ce que j'aime, en fait. Donc, je suis trop, trop contente. C'est trop bien. Donc, on passe au 8ème cadeau. Donc c'est celui-ci, et la pochette, elle est vide. Je vais pouvoir attaquer la deuxième pochette. Donc là, c'est le 8ème cadeau. C'est vachement mou. Je pense que c'est une pochette. Je pense, hein. Une pochette ou une trousse. Excusez-moi. Je pense que c'est une trousse à maquillage ou un truc comme ça. C'est hyper mou. Donc. Voilà. Ah, oui. J'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit sur le. Du Mind. Ah. Elle sait que j'adore cette couleur, c'est vraiment ma couleur du moment. Et oh là là, une pochette de chez Primark, j'adore. En plus, il m'en fallait une de grosse de pochette comme ça pour parce que c'est vrai que j'en avais plus. La mienne était vraiment sale et j'ai un de mes produits maquillage qui avait coulé dedans et elle était toute dégoûtante. Oh, elle est trop trop belle. Oh, je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Elle est juste trop belle quoi, enfin, elle est juste à la taille qu'il faut, voilà, elle est parfaite, elle est juste parfaite, elle est magnifique. On mime comme ça, j'adore cette couleur, c'est vraiment ma couleur, c'est devenu une de mes couleurs préférées avec le rose. Et voilà, tu déchires tout hein, parce que je te dis, tu fais des heureuses, tu fais une heureuse surtout, hein, c'est moi, je suis trop contente. Donc on continue avec la deuxième pochette. Qui elle m'avait marqué sur le. Là c'est donc c'est du numéro 9 au numéro 15. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Hein. Petite pochette. C'est sympa de mettre dans des petites pochettes comme ça aussi. Ça change un peu des boîtes. Moi c'est vrai que je l'ai mis dans une boîte. Mais c'est vrai que ça voilà, c'est bien. C'est aussi bien dans les sacs. J'aime beaucoup le concept. Voilà, j'aime beaucoup le concept, ça me plaît bien. Alors, donc, on était au 9ème cadeau. Alors, le 9ème cadeau, le 9ème, le 14.
le 13, le 10, le 15, le 12, le 9. Et comme ça, ça gling gling. Peut-être un bijou, un collier ou quelque chose comme ça. Un autre accessoire pour terminer une tenue. Je pense que c'est un petit collier. Ça tombe très bien parce qu'il m'en manquait beaucoup de colliers, j'en avais plus beaucoup. C'est vrai que quand on voit le prix des colliers dans les magasins, je trouve ça un peu abusé pour un collier de mettre 15 balles ou 20 balles. Enfin, après, c'est. Voilà. Hein. Mais. Attention. Oh, il est. Oh! Il est hyper beau. Il est comme ça. Voilà. Tout mignon. Franchement, je trouve trop trop beau quoi. Enfin, il est super original. Sur un petit pull qui monte assez haut, uni. Je pense que ça fera vraiment l'affaire. Enfin, ça rendra vraiment la tenue vraiment très belle. En plus en argent, je sais bien parce que j'en ai un or et j'en ai un argent. Il est trop beau, merci. Donc on continue avec le 10e cadeau, ça passe trop vite, c'est un truc de fou. Alors le 10e cadeau, c'est 15. Le 10e cadeau, il est là, c'est celui-ci. Alors, il faisait partie de ta wishlist, alors j'ai pas pu résister. Qu'as-tu fait là? Qu'as-tu fait là? On avait dit un cadeau. On avait dit un cadeau. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Petite coquine. On avait dit un cadeau. On avait dit un cadeau. Laura. Oh là là. Je les adore, les bêtises. En fait, j'en ai deux. J'ai le pony. J'ai le pony et donc celui-là c'est le marshmallow. Ça tombe trop bien parce que bah, je l'avais pas celui-ci et en plus je voulais le tester. Je suis trop contente. Par contre je crois qu'il a un peu coulé mais c'est pas grave. J'adore l'odeur qu'ils ont les maltais, ils sont trop bons. Voilà, alors je vais pas le mettre trop, j'espère que vous allez voir. Tu es une grande folle, une grande folle. Voilà, il va faire peut-être le focus un petit peu. En fait, c'est un rose pâle, un rose un peu vieux rose. Et franchement, il est super beau. Enfin, je suis trop contente. Justement, je voulais m'en acheter un peu plus clair de ce que j'avais parce que j'avais le pony qui est assez un rose assez fort. Et j'ai le figue qui est magnifique aussi. Et donc tu es une grande folle, je confirme. Je confirme, tu es une grande folle. On avait dit un cadeau, pas deux. Hein, voilà. Bravo. Mais franchement, merci beaucoup. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'adore. Ensuite, le numéro 11. On est au numéro 11. Numéro 11, c'est celui-là. Il est comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite étiquette, donc on va voir. C'est ovale. C'est ovale, donc je ne sais pas ce que ça peut être. Je suis trop contente. Elle m'a acheté deux masques de chez Sephora. Les masques en tissu. C'est des masques que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai racheté... Bah avant-hier quand j'étais sur Paris, j'en ai racheté parce que j'en avais plus et en ce moment ma peau, comme je prends mes médicaments etc, ça fait n'importe quoi et ces masques là sont les seuls vraiment qui sont terribles pour mon visage et ils marchent super bien. Donc j'ai le hydratant relaxant, donc c'est le masque Lotus, celui-là j'ai jamais testé donc c'est super, je suis trop contente. Et là on a le masque rose ultra hydratant éclat. Celui-là non plus, je ne l'ai jamais testé, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir les tester tous les deux.
Merci beaucoup, ils sont roses, alors ça me plaît trop. Mais faut pas grand chose, hein. Tu me donnes du papier rose, je suis super contente. Mais merci beaucoup, ceux-là ils sont top. C'est vrai que moi-même j'y ai pas pensé pour mon swap, donc tu sauras que tu n'auras pas de masque. Mais c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête. Donc merci beaucoup ma belle, je suis trop trop contente, c'est trop beau. Ensuite donc on est au 12e cadeau. Le 12e. Allez là. Super, j'ai mince. Alors c'est celui-ci. Alors parce qu'on aime la changer. Ah. Est-ce une coque de téléphone par hasard? Est-ce que ça serait pas ça? Si. Coque de téléphone. Parce qu'on s'est dit exactement ce qu'on avait comme portable, etc. C'est vrai que j'y ai pas pensé non plus à ça. Donc je suis désolée, mon appareil photo a coupé d'un coup. Parce que ma carte était pleine. Donc j'en suis restée avec ça, c'est le cadeau numéro 12, donc je sais pas du tout où ça a coupé, donc je préfère le dire. Donc on va, voilà, c'est une coque de téléphone, et pas n'importe laquelle, je suis en train de foutre partout. C'est une coque Victoria's Secret, elle est vraiment trop belle, pour donc moi j'ai l'iPhone 6 Plus, elle est vraiment trop belle, franchement. Mind, Victoria's Secret, le petit cœur, franchement, enfin, ça déglingue. C'est déglingue, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle est trop belle. Bah, merci beaucoup parce que franchement, t'as pas dû l'acheter 2 euros quoi. Elle est vraiment très jolie. Je pense que je vais même la mettre tout de suite. Hein. Voilà, on va changer en direct la coque. Voilà. Elle est trop belle. J'adore. J'ai un beau téléphone maintenant. Pour me la péter. Merci beaucoup, c'est... Je suis trop contente, franchement elle est trop belle. Merci. Donc on continue avec le numéro 12. Numéro 13, pardon. Numéro 13, c'est celui-là, un petit bonbon. Qu'est-ce que ça peut être qu'elle me dit? Alors là... Oh non, c'est strictement rien. Non, c'est rien du tout. Peut-être un parfum, parce que je sais que tu m'as dit que tu on avait eu la même idée et que on avait sûrement acheté la même chose. Donc peut-être que c'est ça. Je pense même que c'est ça. Ok. Ah oui d'accord, fleur de coton, ouais c'est vrai, je l'ai acheté pour moi en fait celui-ci. Et on a la même idée, mais moi j'adore, hein, c'est pas un souci. Hein. Ils sont tellement bons celui-là que je suis trop contente de l'avoir quand même. Hein. Merci beaucoup, franchement celui-là il sent super bon, fleur de coton c'est un de mes préférés, donc t'as tout compris. Tu déchires tout quoi, hein, il n'y a pas d'autre mot, tu déchires tout. Voilà. Je te remercie beaucoup pour celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, on est au 14e cadeau. Et ce sera le dernier pour moi parce que le 15e, il n'est pas pour moi. Et non, mais je vous expliquerai après. Alors. Ah voilà. En fait, ça, c'était sur le petit truc des masques. C'était attention au risque de fuite si ton chéri te voit avec, forcément, c'est vrai, à peine avant-hier soir j'ai envoyé une photo, j'étais à l'hôtel et j'avais mon masque et il a rigolé, on m'a dit ah, tu fais peur, effectivement. Et donc le 14e cadeau c'est quelque chose de gris, alors là, quelque chose de gris. Quelque chose de gris, c'est tout mou. Ce reste, je sais pas, un fringue, quelque chose comme ça, je sais pas, c'est mou, hein, on verra bien. Ouais, c'est un vêtement.
Le truc c'est que Laura a de très 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 bons goûts vestimentaires, donc je suis sûre que ça va me plaire. Je suis sûre que ça va me plaire. Et donc c'est un petit t-shirt. Il est juste trop beau, franchement. Voilà, là il y a un peu de dentelle. Et il est un peu, voilà. Franchement, t'as eu des trop bonnes idées. Moi, j'ai pas eu toutes ces idées-là, mais tu verras, j'en ai eu d'autres. J'espère que ça te plaira aussi ce que je t'ai acheté. Mais il est magnifique le t-shirt, j'adore. Je vais d'ailleurs le mettre juste après pour rester dans mon petit canapé. Non, franchement, il est trop beau. Enfin, ce gris avec le petit liseré là, et c'est un Primark. Donc, je suis trop contente parce que bah, vous savez très bien. Que j'adore Primark. Mon amour pour cette petite marque de vêtements que j'adore. Donc voilà. Et donc le dernier, je voulais vous expliquer, le 15e en fait, c'est un cadeau. Il est comme ça. Et donc le 15e, c'est... Je n'allais pas oublier ta nièce. En fait, ma soeur a eu une petite fille il y a 3 mois de ça. Et elle a voulu donc marquer le coup et me faire un petit cadeau. Donc je sais pas si je l'ouvre là tout de suite ou si je laisserai ma soeur l'ouvrir. Je pense que je laisserai ma grande soeur l'ouvrir. Ça sera peut-être mieux. Donc voilà. Je lui apporterai dès demain. Et au pire des cas, je la filmerai en train de l'ouvrir comme ça. Je vais pas l'intégrer à la vidéo parce que je pense que ma soeur ne voudra pas être sur YouTube. Surtout s'il y a Louise. Elle s'appelle Louise. Mais je pense que je la filmerai pour l'envoyer à Laura pour qu'elle voit sa petite réaction. Et donc voilà. Donc merci pour elle. Je le garde précieusement. Je pense que je lui amènerai demain ou lundi soir en rentrant du travail. Donc voilà pour celui-ci. Elle l'a bien emballé parce que je vois même pas ce que c'est du tout. Même pas la couleur. Ah si, c'est rose. Normal, c'est une fille. Et ben voilà, donc les cadeaux sont terminés. Il n'y en a plus. Voilà les filles, le swap est terminé. Je suis désolée pour ma voix qui commence à se barrer. Et bien voilà, je voulais beaucoup remercier Laura, forcément. Laura, je te remercie, c'est vraiment top ce que tu m'as acheté. J'adore vraiment tous les trucs que tu m'as acheté. Il n'y a pas quelque chose qui fait que j'aime moins ou quoi que ce soit. J'aime vraiment tout. J'ai un peu bugué parce que j'allais tousser, excusez-moi. Franchement, tous les cadeaux que tu m'as offerts sont vraiment top. J'aime beaucoup. Je te remercie mille fois. Je suis sûre que là, il y en a pour plus de 70 euros, c'est sûr. Donc voilà, merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Je te fais plein de bisous. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, de se voir bientôt pour que je puisse te remercier en face à face, ça sera beaucoup mieux. Et bah voilà, je te remercie beaucoup, j'ai vraiment aimé faire ce swap avec toi. C'était vraiment sympa de pouvoir voilà, de pouvoir faire ça ensemble. Je suis très très contente, franchement je sais pas quoi te dire parce que je suis trop 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 contente. Tous les produits, tous les cadeaux que tu m'as achetés, j'adore. Que ce soit le t-shirt, les masques, les colliers, la pochette, enfin vraiment tout, je te remercie mille fois. J'espère que moi mon swap te plaira aussi parce que j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que tu n'aimeras pas certaines choses, en tout cas j'espère que ce sera pas le cas. Voilà, donc je te fais d'énormes bisous, je te remercie beaucoup. Et les filles qui regarderont la vidéo, j'espère que ça vous plaira, que vous pourrez me donner peut-être des conseils sur les produits, les objets qu'elle m'a achetés. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans les commentaires, que ce soit les produits beauté, les produits mode, etc. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Et je m'excuse encore pour ma voix et le fait d'avoir toussé parce que je suis malade. Mais je tenais quand même à vous faire la vidéo, donc voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très très vite avec le retour de Mélina sur la chaîne dans les semaines à venir, promis. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite. Bisous bisous. Coucou les filles, c'est Fiona, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit donc de la Birchbox
du mois de novembre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une box, donc je reviens un petit peu aux sources.